clair, c'est le troisième dimanche de carême de l'année A. Et vous allez nous commenter le premier texte, c'est-à-dire celui de l'Exode. Voilà, première lecture, Exode chapitre 17, versets 3 à 7. Il s'agit d'un épisode qui annonce l'évangile qu'on entendra, qui est celui de la Samaritaine. Et cet épisode se passe à Réphidim. Il est dit que le peuple campait à Réphidim. C'est terrible de s'installer à Réphidim, de camper à Réphidim, parce que Réphidim, en hébreu, ça veut dire le lieu où on a les bras baissés, où on a baissé les mains et les bras. Or, les mains et les bras levés dans la Bible, c'est la prière. Ça veut dire qu'on est tout tendu vers Dieu. Comme il est dit, par exemple, au psaume 28, au verset 2, psaume 28, verset 2, où il est dit « Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers ton Saint des Saints. » Ou encore, au livre des Lamentations, au chapitre 2, au verset 19, où il est dit « Élève vers le Seigneur tes mains pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à l'entrée de toutes les rues. » Autrement dit, quand on a faim et soif dans la Bible, la première chose à faire, c'est de lever les mains vers Dieu. Et moins on lève les mains, plus on a faim et plus on a soif. C'est ce qui est dit ici, ils ont les mains baissées, c'est le mot « réphidim » qui veut dire « bras et mains baissés ». Et conclusion, ils ont soif. Mais bien sûr, ils ont soif d'eau et non pas de la parole de Dieu. Parce que s'ils avaient soif de Dieu, ils auraient eu les mains levées. Or, ici, on voit bien qu'ils sont en plein combat spirituel et que dans le combat spirituel, au lieu de prier, ils sont défaitistes et ils sont déjà attristés et ils pensent qu'ils vont mourir de soif. Ils en sont pas, ils n'ont pas encore atteint ce qui est dit dans le psaume 42, au verset 2, « Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. » Verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ?» Au lieu de prier de cette manière, de lever les mains parce qu'ils ont soif de Dieu et qu'à travers la présence de Dieu, ils seront désaltérés, à la place de ça, comme ils ont les mains baissées, au lieu de la prière, c'est l'accusation. Et ils accusent Moïse. C'est ce qui est dit. Ils commencent à murmurer ou à protester contre Moïse. Il dit, le peuple s'en prit à Moïse et ils dirent à Moïse, donne-nous de l'eau que nous buvions. Ce n'est pas Moïse qui peut leur donner de l'eau, c'est Dieu. Et c'est l'accusation qui a remplacé la prière. Or, on sait parfaitement d'où viennent les accusations, car au livre de l'Apocalypse, Satan est appelé l'accusateur. Apocalypse 12, verset 9. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, je me suis trompée. C'est au verset suivant qu'il est appelé l'accusateur, Apocalypse 12, verset 10. On a jeté à bas l'accusateur de mes frères, l'accusateur de nos frères. L'accusateur, c'est Satan. Donc, bras baissés, on tombe dans le panneau et on accuse. Et pourquoi on accuse Moïse? Parce que non seulement on a les bras baissés, non seulement on a laissé Satan, l'accusateur, entrer, mais on est en train de tomber dans le très grave péché de l'oubli. Parce qu'ils ne viennent pas de sortir d'Égypte. Il y a quand même déjà un certain nombre de chapitres qu'ils sont sortis d'Égypte et ils ont déjà fait l'expérience de la providence divine dans le désert. Vous irez relire le chapitre 15 de ce même livre de l'Exode, où il est question de l'eau amère dans laquelle Moïse jette un bois et qui devient de l'eau douce, et ils vont pouvoir boire. Ou encore au chapitre 16, où ils ont faim et où Dieu va leur donner la manne.
Donc chapitre 15, ils peuvent boire. Chapitre 16, ils ont la manne. Chapitre 17, ils accusent Moïse comme si rien ne s'était passé. On peut dire que tout ça, c'est une invitation à la prière. Levons les bras pour ne pas tomber dans ces péchés du peuple ici, à l'Horeb, comme il sera dit plus tard. Donc Moïse, lui, leur dit... Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? Et il est dit que le peuple, il souffrit la faim et la soif. Et à ce moment-là, et le peuple accuse Moïse de l'avoir fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert. Et à ce moment-là, Moïse ne répond pas à l'accusation du peuple, mais Moïse crie vers Dieu en disant eh ben, « Je suis en danger parce que le peuple m'accuse et me veut du mal ». Et le Seigneur donne un certain nombre de conseils, ou plutôt d'ordres, on va dire, à Moïse. Premièrement, Moïse, c'est toi le pasteur. Passe devant. C'est toi qu'ils vont suivre, c'est toi que j'ai choisi. Donc, il est dit, d'abord, passe en tête du peuple. Deuxièmement, prends avec toi quelques anciens d'Israël. Donc, deuxièmement, le Seigneur en choisit certains pour entraîner tous les autres. À la tête, Moïse, et derrière, les anciens dont il sera beaucoup question dans le livre de l'Exode. Donc premièrement, Moïse pasteur, deuxièmement, les anciens, troisièmement, le bâton. Prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le fleuve. Ce bâton de Moïse qui représente la force de Dieu qui fait des merveilles grâce à la foi de Moïse et qui représente aussi, bien sûr, le bâton du berger et du pasteur. Le bâton de Dieu qui prend soin de son peuple, comme il est dit encore au psaume 23, « Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent ». Psaume 23, verset 4. Donc Moïse, les anciens, le bâton, et ensuite il est question de l'Horeb. Il est dit « Voici que je vais me tenir devant toi sur le rocher en Horeb. » Horeb, c'est un autre nom pour parler du mont Sinaï. Et Horeb, ça veut dire à la fois le lieu complètement désertique où on crève de soif parce qu'il n'y a rien, donc le lieu où Dieu va donner à boire. Et deuxièmement, Horeb, ça veut dire l'épée. Horeb en hébreu, c'est l'épée. Ça représente la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. L'épée, c'est le glaive qui fait qu'on doit faire des choix dans la vie. Donc l'Horeb, c'est à la fois le lieu desséché où Dieu va donner à boire, de l'eau et il va donner aussi sa parole. Voilà ce que dit la tradition juive à propos de l'Horeb. L'Horeb fut le lieu où la Torah leur fut donnée. Là que jaillit également la source d'eau vive, dont les eaux traversèrent, d'après la tradition, tout le désert jusqu'à la fin de leur pérégrination. Donc, lieu de la parole, lieu de la source d'eau vive que Dieu va donner. Avec ce midrash qui affirme que cette eau qui a jailli du rocher de l'Horeb a accompagné le peuple pendant tout son temps au désert. On verra que Saint Paul connaissait bien entendu ce midrash et qu'il le cite dans l'épître aux Corinthiens. Alors, je suis au verset 6 où il est dit « Tu frapperas, je vais me tenir devant toi sur le rocher, en Horeb, tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira ». Le rocher, c'est une des manières très fréquentes dans la Bible pour parler de Dieu. Et pour Saint Paul, ce rocher, c'était le Christ. Il reprend le Midrash dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 4. « Tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. » Ça, c'est le Midrash, l'eau qui les a accompagnés. « Et ce rocher, c'était le Christ. » Ce rocher, c'était le Christ. Donc, à l'Horeb, ils font la rencontre de Dieu qui donne l'eau vive et avec déjà une annonce à travers ce rocher qu'est le Christ. Et je vous lis un passage du canon de Saint André de Crète à propos du rocher dans la Bible et de ce rocher d'où surgissent des fleuves d'eau vive.
Affermis-nous au Christ, prends pitié de nous. Affermis ton Église sur le rocher inébranlable de ta parole et de ta croix. Affermis mon cœur sur la pierre de tes commandements, car tu es le seul Saint et Seigneur. Le rocher qui nous donne l'eau vive et que la Samaritaine va découvrir avec émerveillement au bord du puits, ce rocher, c'est le Christ. Sœur Claire, merci.